Eh mais c'est quoi ça? Il fait trop chaud. Si j'avais su, je me serais mis en habit d'été. Là, j'ai une chemise, j'ai avoir trop chaud toute la journée. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui sous le soleil et la chaleur. Je comprends pas, je vous ai dit, je me suis pas habillé pour les circonstances. Hier à la radio, j'ai fait la météo comme tous les jours et j'ai dit que ça allait être très nuageux, qu'il allait faire 21 degrés et qu'il allait y avoir des averses, que ça allait péter. Là pour l'instant, il fait plus chaud que 21 degrés et il fait trop beau. Alors normalement, le beau temps devait arriver mercredi ou jeudi. Moralité, quand je fais la météo à la radio, n'écoutez surtout pas ce que je dis, hein. Surtout pas. Et là du coup, j'ai rendez-vous dans le bois, je vais rejoindre ma pote Emmeline qui officie l'après-midi à la radio parce qu'elle se fait bronzer au soleil. Elle a trop raison. Oh là là, regardez-la comme elle est bien. Oh là là. Ah, la belle vie celle-là. Non mais franchement, la belle vie. Hein. Ah non mais il y a des gens, franchement, ils sont trop bien dans leur vie. Ça va ma grande? Ouais, ouais, c'est comme si j'étais pas là. Hein. Ah non, je vous fais embêter depuis tout à l'heure. Par qui? Bah, les hommes. Ils te disent quoi? Alors il y en a un, alors qu'on voit bien que je suis en train de dormir, j'ai les yeux fermés. Ouais, il t'a dit quoi? Ah bah je vais prendre votre sac à main. Ça va mademoiselle? Ça y est. T'as un succès. Caliente. T'as un succès, ça c'est les mères de famille, elles cartonnent. Les MILF, comme on les appelle, les MILF. Je me fais un peu bronzer avant de recharger ma caméra. Oh là là, mais il fait beaucoup trop chaud, j'ai mis une chemise noire. Moi je t'ai écouté, c'était j'ai pas mis une chemise aussi. Comme c'est beau. Oh là 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 là. Ils vont pas à l'école ceux-là? Ouais, moi aussi, si je comprends pas, il y en a toujours dehors. Hein. Franchement, comment vous expliquer? C'est vrai que c'est un vrai phénomène. Quel que soit le jour de la semaine, même quand on n'est pas mercredi, même quand on n'est pas le week-end. C'est tellement vrai ce que tu dis. À 10h-11h du matin, il y a toujours des enfants avec leurs parents qui se promènent. Des grands enfants. Ouais. Il n'y a pas des journées pédagogiques tous les jours quand même. Je comprends pas. En fait, quand je suis arrivé au loin, j'ai cru que t'étais cette personne au loin étendue dans l'herbe. Tu crois qu'on peut la voir ou c'est ouais, trop chaud? Mais alors si on l'a, je veux qu'on l'ait en marchant. Ah d'accord, sans se presser, ok. Sans se presser. On marche, attends, là tu marches déjà, Lisa? Bah oui, mais c'est... Ah, coucou! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Sans se presser, moi je pense qu'on l'a pas là. Bah si notre feu est vert, on l'a. Oh là là, ça y est, j'ai envie de courir. Attention, il y a une grosse marche. C'est bon, on l'a. Ouais. On n'a pas le droit. Réservé à la descente. Si on l'a pas là, c'est que... Ah, c'est bon. Parce que là... Merde, je suis à contre-jour. Ah, faut que je me mette comme ça. Marche à l'envers. Mais du coup, faut marcher à l'envers, c'est chiant. Tu veux que je te filme? Ah ouais, je peux te filmer. Tu veux me filmer? Ouais. Vas-y, mais il faut tenir ça en même temps. Attends. Faut tenir... Oh là là. Bah, attends, j'enlève la batterie. Je t'ai filmé par Emily, mais on marche en même temps. Oh là là, c'est génial, j'aurais dû mettre des rollers, tu sais. Bernard de la Villardière, il fait ça dans Enquête Exclusive. C'est génial. Il marche en même temps. Vas-y, non, t'inquiète, il y a juste un poteau derrière. Je vise le poteau là, j'ai remarqué. Vas-y, à droite. Voilà, par là. Donc en fait, là, on va retrouver un food truck qui j'espère est là. C'est un food truck mexicain. C'était mon premier ami food truck l'année dernière, tu te souviens? C'est vrai, hein? Ouais. Et depuis, on n'a plus de nouvelles, mais là, je crois qu'il revient le mardi à la bibliothèque. Je crois qu'on n'a plus de nouvelles, parce qu'il cartonne vraiment. Ouais, il cartonne vraiment. Venez. Oh, j'ai fait un plan. Ah, génial. Bonjour! Oh là là, ça fait longtemps! Bonjour! Vous êtes de retour, vous veniez plus ici? Si? Mais qu'une fois par semaine. Et du coup, c'est toujours les jours où je suis pas là. Oh là là, bah ça fait plaisir. Bah oui, tout à fait. Bah du coup, alors, ça fait tellement longtemps que je suis pas venu. Ah, il y a des nouveautés? Super Luchador, il y avait pas ça à mon époque. Super Luchador, c'est un burrito aussi? Oui, bien sûr. Chorizo, poulet mariné, poivron, oignon, sauce chipotle fumée. Waouh. Bah je crois que je vais me laisser tenter par celui-là. Bien, ah ouais. Commandez le Super Luchador? Ouais, je le commande. Ouais. Eh, pour madame? Tu manges ici ou pas toi? T'es pas obligé. Hein. T'es pas obligé? Non, oui, je veux le prendre, c'est pas grave. Super Luchador. Voilà, les burritos. Vous pouvez me réexpliquer ce que c'est qu'un burrito? Ok, un burrito, c'est une tortilla de bleu. C'est normalement, c'est la nourriture du nord du Mexique. On ajoute la base de riz à l'haricot noir. D'accord. Et pour les super luchadors, il y a les poulets marinés avec
C'est le pibil. Ah oui, le pibil. Ah ouais, poulet pibil, j'en avais mangé au Mexique. Et normalement, c'est avec les cochons, avec les porcs. D'accord. Mais ici, on ajoute la version poulet. Ok. Regardez-moi ça, quoi. De la salade. Moi aussi, je fais le même. Le même. C'est le grand, hein. C'est la fête. C'est Wheel of Green. Un peu de la sauce chipotle et on voit la télé déjà. Super. Oh là là. En plus ils sont bien, bien garnis quoi. C'est ça qui fait plaisir chez Boca Mexa. Et il paraît que vous allez ouvrir un autre resto. Oui, tout à fait. Parce que là il y a le food truck et il y a le resto à rue Mouffetard et un autre à Oberkampf. Oui. Et ça, c'est ouvert ou ça va ouvrir? Cette semaine. Cette semaine? Génial. On colle à l'actu. On fait toutes les infos dans la barre d'infos. On va faire un selfie, c'est génial. Ouais. On n'est pas à contre-jour? Ouais, c'est ça. Bon, bah à bientôt, hein. À bientôt. Salut, ciao. Regardez-moi ça, burrito super luchador. Chin. En fait, c'est petit en taille, mais c'est blindé dedans. Donc, enfin, ouais. Je ouais, connais d'autres. Oh. Je me suis laissé tenter. J'ai pris des fruits moi aussi, un truc qui m'arrive jamais. c'est uf. Et tu vas les manger avant ou après tes fruits? Après. Ouais, parce qu'il paraît qu'il faut les manger avant. Ouais, c'est Ludo qui nous dit ça. Ouais, Ludo il nous dit ça, mais je sais pas où il a vu ça. Il paraît qu'il faut les manger avant, comme ça ça absorbe les graisses de ce qu'on mange ensuite, mais c'est bon. On mange des fruits pour le plaisir, pas pour absorber des graisses. Hein. Regardez-le celui-là, regardez-le. Ça se la pète, tu nous vois pas. Ça te laisse rêveur ça. Hein. Ce sont des burritos. T'as acheté ça où? Chez Boca Mexa, food truck, bibliothèque François Mitterrand. Ah bah je vais peut-être aller faire un tour. Ah bah vas-y. Alors là, voilà, tiens. Vas-y. Viens de ma part, tu dis je viens de la part de Florian de Latina. Ouais, je viens de croiser Florian, il m'a donné envie. Mais tout le monde va faire ça après dans ton vlog. Ah bah allez-y, venez de ma part, je suis bankable. Et je touche pas de com, hein. Excellent, je viens de la part de Florian. Bon, on va dérouler ça. Comment ça se déroule déjà? Regardez-moi ça, ça c'est du bon burrito, c'est blindé à l'intérieur. Non, regardez, il y a du chorizo, du poulet mariné. Tu sais que c'est l'un des. Oh là 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 là. Scandale. Donc ça y est, moi j'ai mangé mon burrito, trop bon. Alors là, ma grande, ça va être à toi de jouer. Tu attaques le tien parce qu'on aime bien manger en décalé ici. Alors, première bouchée. Délicieux. Ah, j'ai eu peur. Plein et cher. Et alors, c'est l'anniversaire de Ludo aujourd'hui. Ouais. Bon anniversaire. Et lui, du coup, le rebelle, il prend pas de burrito. Hein. Non. Et à propos de manger sainement, du jamais vu dans l'histoire de ce vlog, puisque mon dessert, et ce n'est pas un mytho, je vais me filmer en train de le manger, de l'ananas et des fraises. Que se passe-t-il? Quelle mouche m'a piqué? C'est pour l'anniversaire de Ludo. Ouais, ça m'a donné envie. Je me force même pas, ça m'a donné envie. Voilà. On est bien là. Ah, on est bien, alors on est bien blindé, on peut tenir jusqu'à ce soir. En tout cas, je vous mets les infos si vous voulez tester Boca Mexa, qui est rue Mouffetard et qui est aussi vers Oberkampf dorénavant, plus le food truck qui navigue un peu partout. Surtout, vous dites que vous venez de la part de Florian. Il s'en fiche, je crois. Mais bon, allez-y. Et puis, bah, bon appétit. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, sachant que ce soir, là, dans quelques minutes, je vais tourner un autre vlog. Mais du coup, comme ça fait deux restaurants dans la même journée, je vais le faire en deux parties. Ouais. Donc demain, dans le vlog de demain, vous verrez le deuxième resto. Et d'ici là, Ah, salut, bon anniversaire, Ludo. Merci. Vous abonnez à ma page Facebook Florian en air, Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. Et puis, et un petit pouce sur le haut, vers le haut, hein, si vous avez aimé cette vidéo. Bon. Bien sûr. Salut.